Notre carnaval est populaire. Chez nous, il n'y a pas de bataille de fleurs, il n'y a pas de chars, il n'y a pas de guichets, il n'y a pas de rambardes. Simplement la cité de Jean Bar qui est livrée au carnaval. Le maire, le premier magistrat de la cité, me remet les clés de la ville, si on veut. Et là, je mène la bande des pêcheurs au travers des rues de la cité jusqu'à 19h. Et là, à 19h, on est pour certains sur la plage Jean Bar, d'autres sur la place de la mairie, la place de l'hôtel de ville. Et là, on fait le rigolon final. Le tambour-major et ses musiciens sont sur un kiosque de musique. Et là, pendant 1 heure, c'est parti. Et les carnavaleux font un hymne à Jean Bar, un qui terminera ce rigolon final. Chaque tambour-major a son nom de guerre. Moi, c'est Toff le Grand. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom. Enfin, j'ai proposé 3 noms au niveau du premier magistrat de la cité de Dunkerque. Et c'est lui qui a choisi le nom de Toff le Grand. Alors, je peux vous citer 3 autres exemples. Tous les tambours-majors de Malo s'appellent Goliath. Donc là, on est à Goliath 7. Les tambours-majors de Petite-Sainte, c'est Snustre. À Dunkerque, y a les Co. Enfin, il y a beaucoup de tambours-majors là qui commencent par Co, comme Cobolge, comme Cogenièvre. Alors, qu'est-ce que c'est que le tambour-major? C'est lui qui, à travers les rues de la cité de Jean Bar, mène la bande des pêcheurs, là qu'on appelle la Vichère Bande, c'est nous, au son des fifres et des tambours. Lorsqu'il le veut, lorsqu'il l'estime, pour faire plaisir, il lève sa canne de commandement. Il se retourne et là, il donne la parole à son chef de bande. Son chef de bande qui, là, tout le monde s'arrête et lance le chahut. Et le jeu du carnaval dunkerquois veut que, lorsque ce chahut commence, les masques lourds derrière poussent les premières lignes pour les envoyer au plus près. Le tambour-major est toujours accompagné dans le dédale des rues de la cité par sa cantinière. Elle est là également pour faire attention à son tambour-major, parce que comme le tambour-major est connu et reconnu, beaucoup de masques lourds de carnavaleux viennent lui faire déférence. Alors lorsque l'on a le groupe des Noirs qui dit bonjour au tambour-major, le tambour-major se trouve déguisé avec les grimes des Noirs sur ses joues. Donc la cantinière est là pour justement faire attention au look du tambour-major et elle a des petites lingettes pour essuyer son tambour-major. Elle a également son petit bidon. Alors qu'est-ce qu'il y a dans son petit bidon? Alors ça, c'est la potion magique. C'est la potion magique de la cantinière. Et donc elle est là. Et également pour distribuer ce rhum au cuivre et au fifre. Car vous savez, l'on joue de 15h à 20h, presque sans interruption, et les lèvres commencent à se craquer. Donc un petit peu de rhum, donc humer un peu de rhum là sur les lèvres et en boire un petit coup, bien entendu, donc c'est très salutaire pour l'ensemble des musiciens. Alors bien sûr, il y a les chapelles. Alors qu'est-ce que c'est que les chapelles? Ce n'est pas des églises, ce n'est pas des lieux religieux. Ce sont les Dunkerquois qui invitent leurs amis, la connaissance là, des amis, à partager un verre, à partager un repas, à partager un café, donc lors du carnaval dit de la ville considérée. Alors les chapelles du soir, ben là c'est là où on mange la soupe à l'oignon, car il est très important là d'avoir une chapelle là d'après-midi pour d'abord
étancher la soif, pour boire une bonne soupe à l'oignon qui est très revigorante, vous allez commencer là du matin, vous faites la bande, et le soir, on se retrouve, ceux qui veulent rentrer rentrent, ceux qui veulent aller au bal vont au bal, et poursuivent la fête jusqu'au lendemain matin. C'est la période bénie du carnaval, où tout est... Enfin, je ne vais pas dire permis, loin de là, parce qu'on respecte donc certaines choses, mais où alors on peut se lâcher un petit peu.